Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étape du Sceaux Château Live Tour. Vous le voyez, je suis ce soir une fois encore en très bonne compagnie puisque nous avons le plaisir d'être ce soir en direct de l'appartement de Jacques Garcia qui se trouve à mes côtés. On va commencer avec la première question. Si vous êtes prêt, Jacques, on va démarrer. Voilà. Il y a eu beaucoup de questions et on va commencer par la première, la plus votée, qui est celle de Philippe, Monsieur Garcia, que reste-t-il du château d'origine? Que restait-il du château d'origine lors de votre acquisition, intérieur et extérieur, précise-t-il. Alors c'est la meilleure question, parce que le vrai sujet, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette maison. J'ai acheté cette maison parce qu'elle n'avait jamais subi de transformation dans ses extérieurs. L'intégralité du bâtiment a été construite entre 1651 et 1659 par Créqui, sur un dessin de Levaux, l'architecte qui fera ensuite Versailles, et un jardin de la main de le nôtre, dont j'ai le dessin. Le jardin avait totalement disparu, mais toute l'architecture était intacte. Malheureusement, l'intérieur de la maison, ce n'était pas du tout le même cas. La Révolution française a fait qu'on a détruit tout ça, et pour vous dire à quel point tout ça s'est dégradé, au début du XXe siècle, la maison était transformée en hôpital. Donc l'état intérieur de la maison était évidemment totalement dévasté. Mais il restait quatre pièces, l'escalier, la grande salle à manger, le grand salon de compagnie, et ce qu'on a appelé le salon de famille, toute l'aile datant du XVIIIe siècle, qui avait conservé une partie de ses décors, en l'occurrence les sols, les cheminées et les corniches, ce qui finalement est le plus important dans une maison. Et c'est ça qui m'a donné là. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté. Parce que comme je l'ai dit, je cherchais non pas un château normal, je cherchais une maison plus importante, qui puisse s'assimiler à un palais, si on peut le dire, pour y présenter des meubles. J'en parlerai après, provenant pour partie des ventes révolutionnaires, car il faut que vous sachiez tous que la France a commencé la Révolution avec la vente de tous les meubles se trouvant dans les résidences royales ou les grands commanditaires de l'époque. Un petit peu, c'est ce qu'on appelle une révolution. Donc à l'encan, on a vendu pendant des mois et des mois, voire des années, un ensemble de choses considérables qui sont reparties dans le monde entier. Souvent acheté par des étrangers, évidemment, il était très malvenu d'acheter des meubles provenant de la famille royale en pleine révolution. C'est sûr, c'est sûr. Merci, merci beaucoup, Jacques, pour cette première réponse et ces précisions. C'est intéressant. Allez, une question aussi qui est revenue plusieurs fois. D'où provient le nom champ de bataille, en fait? C'est assez. Ça aussi, c'est quelque chose qui était polémiqué, mais je crois qu'il n'y a même pas de polémique possible. De tout temps, le nom est étrange. Parce que champ de bataille, pourquoi d'abord pas de champ de bataille, mais du champ de bataille. Donc le duc a une fonction très importante. Et tout simplement parce qu'en 935, il y a eu sur la plaine du Neubourg une grande bataille qui a entre les Danois et les Normands. Évidemment, c'est les Normands qui ont gagné pour conquérir l'indépendance de la Normandie. Et depuis, de tout temps, on a considéré ce domaine comme du champ de bataille, lié à cette fameuse bataille. Et chose très intéressante, il y a dans le parc une curiosité, c'est quand Leno dessine le jardin, il crée une allée Bièze très très près du château, et son pendant bien sûr. Cette allée Bièze, elle n'a pas de fonction. On ne voit jamais ça dans un dessin de Leno. Les allées Bièze, elles sont dans la perspective. Là, elle est complètement sur le côté. Et tout simplement, parce que l'allée de Bièze de droite mène à ce qu'on appelle un chêne millénaire. Alors ce chêne millénaire, moi, j'y croyais pas trop, mais bon, on a fait analyser par des spécialistes qui ont constaté que ce chêne avait 1000 ans, ou 960 ans, bon bref. Donc, qui date de l'époque de la bataille. Et d'ailleurs, ce chêne, maintenant, est marqué dans le fameux livre des arbres remarquables. Super, très intéressant ça. Merci, merci Jacques pour ces informations. On a aussi des questions évidemment concernant votre mobilier.
plusieurs personnes, dont j'ai vu Florent aussi qui a été beaucoup voté. Comment avez-vous voilà, comment avez-vous accumulé cette collection, ce mobilier? Voilà, si vous pouviez nous donner un peu plus d'informations sur le mobilier de champ de Alors, bataille. il y va des collections comme de l'amour. Il y a des gens qui sont faits pour collectionner C'est l'amour ça. et l'autre pour la connaissance des objets qu'ils achètent. Moi, Exact. j'ai malheureusement été, ou heureusement, je ne sais pas, en tous les cas, j'ai collectionné des objets. Et j'ai une formation d'entrée qui ne me poussait pas à ça. Pour deux formations. D'abord, une qui m'y poussait, mon père, qui était un homme simple, d'un milieu normal, bourgeois, et qui avait la passion, qui avait subi les avaries de Franco avec son père, donc évidemment un retour en France assez difficile, les premiers immigrés, si on peut dire, et qui glorifiait la France d'une manière extraordinaire, et qui m'a toujours dit, c'est incroyable de penser que tous ces meubles royaux ont été vendus aux ventes révolutionnaires. Et que si finalement, puisque tout a été inventorié, bien évidemment, mais si on est un petit peu plus savant que les autres, si on fait plus de recherches que les autres, au lieu d'acheter une commode Louis XV, me disait-il, normal, enfin, c'est une vague image que je donne, on pouvait acheter non pas une commode Louis XV, mais une commode qui, d'une part, était faite par un grand fabricant, et pour Louis XV, parce qu'évidemment, Louis XV s'adressait fatalement au meilleur. Et ça m'a toujours trotté dans la tête. Et j'ai été le fruit d'un paradoxe, puisque après ayant fait les arts déco, les beaux-arts, bien évidemment, la formation était purement contemporaine. Et très jeune, je me suis intéressé à tout le contraire, aux tableaux modernes, entre autres, les modernes de cette époque, des années 63, 65. Jean-Rive Klein, Fontana, Albers, Liechtenstein, qui sont devenus après des musts, que j'ai pas gardés. Parce que les musts, j'en ai pas les moyens. Et puis je me suis mis à acheter à la place de ça des objets royaux, donc comme dont me parlait mon père, à un moment où c'était encore possible. On arrivait à chiner et à trouver des choses, tout simplement, parce qu'on retrouvait chez les antiquaires des marques d'inventaire, des choses comme ça. Et je me suis passionné pour ça, et j'en ai fait une sorte de lubie, presque, ou d'obsession. D'obsession, d'accord. Ben voilà, je pense que vous avez répondu à pas mal de questions concernant le mobilier. Il y avait une question aussi intéressante. Est-ce que vous vous considérez plus comme collectionneur ou comme châtelain? Alors, c'est quelque chose de très particulier parce que on peut être né châtelain possédant un château. Ça, c'est une chose. Si j'avais, par hérédité, hérité d'un château de mes parents, voire de ma famille de dizaines de générations, je serais avec un fil à la patte comme châtelain. Je me croirais dans l'obligation de la descendance. Là, il n'en est rien. Je veux dire, j'achète un endroit qui est un hôpital, dans un état où il n'y a pas de jardin, que précisez bien qu'il n'y a pas de jardin. C'est la tempête de 1993 qui arrache tous les arbres du parc sur 40 hectares et qui me pousse à décider de créer ce jardin qui démarre sur le plan de notes, certes, mais qui après se développe d'une manière contemporaine. Et je le précise, ça n'est pas du tout une reconstitution. C'est un jardin qui est une création complète. D'ailleurs, tout comme les intérieurs, c'est ma vision de ce que moi j'imagine des décors du XVIIe et du XVIIIe siècle. Je ne suis pas fidèle à un inventaire comme j'ai pu le faire quand je me suis occupé de Versailles, quand je me suis occupé du remeublement, où là on est fidèle à un inventaire. Là, c'est mon imagination qui me fait penser que Madame de Montespan pouvait vivre dans des conditions de ce genre, ou que Marie-Antoinette pouvait vivre dans le salon de compagnie. Mais en aucune manière, c'est fidèle ni à l'une ni à l'autre. D'accord. Et pour ce qui est donc d'être ou collectionneur ou propriétaire de château, je ne me sens ni l'un ni l'autre. Ah ben voilà. C'est-à-dire, je suis détenteur provisoire d'un monument historique que je vais essayer de faire perdurer après moi. Et puis je suis le chineur et le chineur de l'objet idéal pour demain. Voilà, bah parfait. Une très bonne définition, une très belle réponse pour Florent et pour les autres.
Est-ce qu'il y a encore de la place à Champ de Bataille, puis justement, pour continuer votre obsession de la collectionnite aiguë, comme vous dites? Je vous répondrai, vous savez, il y a toujours de la place. Hein, un obsédé, le principe de l'obsession, c'est qu'il y a toujours de la place pour l'obsession. Mais là, c'est un peu particulier. D'abord, je ne consacre plus de moyens à ça. D'accord. Donc, pour trouver des objets importants, il faut y consacrer des moyens. Je peux éventuellement faire un coup de cœur, parce que le prix me convient et qu'un trou s'installe dans la maison et j'enlève autre chose, pourquoi pas. Mais globalement, la maison est plutôt cohérente. Et mon obsession aujourd'hui, elle est plutôt dans l'idée de maintenir, de perdurer, justement, et de faire que cette maison qui, aujourd'hui, est pratiquement la maison visitée par le public, de manière privée, j'entends. Je ne parle pas de Versailles ou de Fontainebleau. Je parle de résidence privée et certainement la maison la mieux meublée du pays. En tous les cas, de celle que l'on peut visiter. Car évidemment, il y a des gens qui ont des choses bien mieux que moi, qui ont bien plus d'argent que moi, mais ils ont cette chance inouïe ou ce désir, en tous les cas, de ne pas les montrer. Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Et les jardins, alors on a vu les jardins. Est-ce que vous avez des projets pour les jardins dans les mois, les années qui viennent? Est-ce qu'il y a encore des choses? Est-ce qu'on peut aménager encore Alors, comme vous avez pu le voir avec les vues, on voit l'importance du projet. Je suis en train de réorganiser une bande dans le jardin qui lie un espace à l'anglaise avec une partie... qui est consacré à l'art asiatique, si on peut dire, le jardin moghol. Et il y avait une petite bande qui était un peu à l'abandon. La tempête d'il y a 2 ans m'a là aussi servi. Donc je me suis dit, au fond, c'est peut-être le moment ou jamais pour réorganiser toute cette partie. Vous savez, les tempêtes, elles aident beaucoup. Hein. Je pense que même à Versailles, par exemple, ou pour le temps, j'ai signé moi la pétition en 93 en disant « c'est une honte d'arracher les arbres ». Et puis je me suis très vite rendu compte que sous Louis XVI, on a remplacé tous les arbres de Versailles. Sous Napoléon III, on a recommencé. Au XXe siècle, on a recommencé. Et aujourd'hui, il fallait le faire. Ils étaient trop grands. Ouais. Il y a un moment où un arbre s'est fait aussi pour mourir. Et il n'y a rien de pire qu'un alignement d'arbres. C'est un peu comme un alignement de dents où il en manque une toutes les quatre. Je ne pense pas que ça plaise trop. une belle image qui va parler à tout le monde. Une question aussi architecture, Jacques, une question qui a été posée, je crois, par Philippe, et qui demandait, est-ce que l'architecture du château du Champ de Bataille, assez original, s'inspire d'un autre château? Est-ce que vous avez trouvé un château quelque part qui ressemble? Alors, c'est très intéressant, parce qu'elle rassemble, c'est novateur. C'est-à-dire, je vous l'ai dit dans le texte, c'est un château, on est en 1651. Et 1651, c'est le moment où on va faire l'Institut, et Vincennes. Et donc, ça reprend tout ça. Par exemple, les balustrades des bâtiments qui sont autour du château, qui sont des fausses balustrades dans lesquelles s'encastrent des fenêtres, fidèles à l'Institut. Les deux bâtiments parallèles, c'est le bâtiment du roi, le bâtiment de la reine. À Champ de Bataille, c'est le bâtiment principal et les écuries, en symétrie, c'est Vincennes. Les arcs de triomphe qui ferment la cour, c'est Vincennes. Les bustes d'empereurs romains sur la façade que l'on peut voir, c'est la cour de Versailles. Les petites guérites qui sont dans les angles, ce sont les petites tourelles qui étaient chez le grand dauphin au Saint-Sépulcre. Vous avez là tous les symboles, parce que c'est avant. En fait, cet architecte, il prend plein de choses nouvelles, il les met en patchwork. C'est en ça que c'est intéressant. C'est presque une chose comme novatrice, et peut-être des fois un peu choquante, parce que tout ne va peut-être pas avec tout. Mais au fond, c'est ça la création. Merci Jacques. Intéressant également. Une question de Florent. Dans vos 30 années de restauration, avez-vous fait des découvertes surprenantes, inattendues, rigolotes, peintures, inscriptions, objets, quelque chose que vous pourriez nous partager sur les 30 années Par exemple, je vais juste citer une anecdote. Quand j'ai acheté le château, je trouvais que l'architecture était formidable. Je l'ai acheté pour ça, comme je l'ai dit. Puis j'ai un ami qui était inspecteur au Mobilier National et à qui j'ai demandé de faire une étude sur l'architecture,
C'est lui qui a retrouvé, qui l'a construit, l'histoire de sa femme, on a retrouvé tout, enfin, tout, les dates exactes, etc. Et puis un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, c'est incroyable, j'ai dès 1600, c'est construit en 51, et dès 1659, j'ai des restaurations de toitures en plomb. Je charrie un petit peu, je dis, mais écoute, t'es pas sur le bon château, on n'a pas de toiture en plomb. Alors il me dit, mais je t'assure, il y a des toitures en plomb. Et là, il revient le week-end d'après avec moi, et on rentre dans des toitures qui étaient comme des pagodes sur les tourelles en Tours, et on se rend compte que sous les toits en pagode, il y avait les terrasses de plomb, qui avaient été finalement recouvertes, parce qu'on ne savait pas bien faire le plomb, que ça fuyait, que c'était extrêmement complexe, et que donc pour simplifier tout ça, au XVIIIe siècle, badaboum, on a mis des toitures en pagode. Donc ça, c'est une découverte. Vous allez voir que ça change votre vie. C'est un peu comme quand on vous dit, t'as vu la verrue que tu as là ? Ça fait 2 ans qu'on vit avec, on est dans la glace, oh, la verrue, on ne peut plus vivre avec. C'est ça sûr. A été le cas pour les toitures en pagode. Oui, j'imagine. Jacques Garcia, on avait aussi une question concernant, vous avez parlé de la Révolution, mais plusieurs personnes ont posé la question des deux guerres mondiales. Comment le château du champ de bataille a traversé ces périodes troubles de l'histoire ? La première et la seconde. Alors la première guerre, je crois qu'il n'y a pas eu de problème, comme toute la Normandie, parce que là, comme vous le savez, c'est le flanc de l'Est qui a pris. Hein. Oui. On n'était pas à Verdun, hein, donc c'est sûr. La Normandie, c'est pas Verdun. Pas encore. Mais non. Par contre, pour la Seconde Guerre mondiale, on a eu une chance folle, c'est que finalement, le château n'a pas subi d'avarie, je dirais, au niveau des bombes ou des bombardements, contrairement à beaucoup d'autres. Hein. La Normandie a été tellement abîmée. Et c'était un hôpital, c'est-à-dire pendant tout le temps de la guerre, c'était un hôpital. C'était à ce moment-là. Alors, et c'est à ce moment-là que, c'était avant et ça a duré jusqu'à la fin de la guerre. D'accord. Ok, très bien. Une autre question concernant les jardins. Combien avez-vous de jardiniers pour entretenir une telle surface ? Alors, j'ai d'abord une très bonne équipe. Ça, c'est important. Parce que le nombre ne compte pas. Ça veut dire quoi une très bonne équipe ? Déjà beaucoup de fidèles et qui sont là déjà depuis plus de 20 ans. Donc quand on a des gens depuis 20 ans dans un endroit, c'est plus comme quelqu'un qui arrive comme ailleurs. Donc il y a beaucoup de passion, très important. C'est sûr. Et puis vous avez rencontré François, qui est donc le chef jardinier, qui arrive à fédérer cette passion à la. Je dirais, il a lui-même une passion dévorante pour l'endroit. Et je crois que plus que le nombre, c'est la qualité qui compte et l'engouement qu'on y met à faire son travail. Si vous voulez, je vois plein de jardins, malheureusement, dévastés, en très mauvais état, qui sont occupés par beaucoup de jardiniers. Et puis je vois quelques jardins où la passion s'installe, ils ne sont pas nombreux, les gens font ça avec passion et ils sont tenus d'une manière admirable. Donc, ce n'est pas le nombre qu'il faut compter. Il faut fédérer la passion. On avait une question concernant... Enfin, deux questions que je vais essayer de mettre en une. Une question de Nelly. Est-ce que vous vivez dans le château ? Et la deuxième, c'est est-ce que Champ de Bataille, c'était votre premier château ? Ou est-ce que vous aviez un autre château avant ? J'ai acheté Champ de Bataille parce que j'avais fait des maquettes avant. De quoi des maquettes ? J'ai eu la chance d'acheter à l'âge de 30 ans la maison de Jules Ardoin à Mansart, à Paris. C'est-à-dire un endroit merveilleux dans le Marais, avec tous les plafonds peints par Lebrun, Mignard, de la Fosse, c'est-à-dire les mêmes peintres que Versailles. Évidemment, Jules Ardoin à Mansart était l'architecte de Versailles. Et donc, à ce titre, il a fait travailler ses collègues et ses copains chez lui. Et donc, j'ai appris là ce mélange, d'ailleurs... j'ai appris là l'idée de me séparer de mon idée de modernité, qui n'était pas simple pour moi. Et donc, rentrer dans un monde qui sera un passé futuriste, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire pas un monde de reconstitution pure et dure, car je n'y crois pas, moi, à la reconstitution pure et dure. Comment peut-on imaginer, puisque j'ai eu la chance d'avoir des tellement grands clients, qui ont des fantasmes incroyables, qui changent d'avis à toutes les secondes, comment pouvez-vous imaginer
restituer à l'identique un appartement de Marie-Antoinette, vous le restituez quoi? Le matin à 9h, le soir à 18h, ou le surlendemain où elle a tout fait casser et elle veut autre chose à 22h30? C'est extrêmement complexe c'est tout sûr. ça. Donc ce qui compte, c'est le mental. Ce qui compte, c'est l'âme. Ce qui compte, c'est ce que vous apportez à l'être humain pour comprendre tout ça, pour comprendre toutes ces époques. Je crois que c'est plus important que la reconstitution pure et dure. Et c'est la raison pour laquelle je l'habite. Ça veut dire qu'en l'habitant, on crée une dynamique différente. Les lieux qui sont inhabités sentent l'inhabité. C'est un peu comme les êtres qui sont sans amour, ben on n'a pas envie d'aller avec eux. Encore une belle image, merci, merci Jacques. Je pense qu'on va pouvoir conclure. On a évidemment envie encore de continuer ces échanges, mais le format de notre émission est ainsi. On a quand même pour vous, pour ceux qui sont restés, vous êtes très nombreux à être restés jusqu'à la fin, on a une petite surprise pour vous, on a un petit bonus que vous allez pouvoir découvrir grâce à Sylvain Moulin, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'administrateur du domaine du champ de bataille. Vous allez découvrir deux petites pièces supplémentaires juste pour vous. Et je voulais bien entendu remercier Sylvain qui est derrière et aussi Mélina, grâce à qui nous avons pu coordonner cette émission. Et bien entendu, Jacques Garcia de nous accueillir chez vous. Mais je vais évidemment, comme d'habitude, céder la parole à notre intervenant du jour. J'allais dire invité, mais c'est plutôt nous qui sommes invités. Donc voilà, merci Jacques Garcia. Je vous laisse le mot de la fin. Bien, je voudrais juste vous dire que vous êtes rentré dans une maison d'un homme normal qui n'a pas hérité de cet endroit, qui a fait quelque chose de paranormal, simplement sur l'idée du dépassement et la chance peut-être aussi d'avoir une carrière qui lui permette ce dépassement. Si vous vous dépassez, les choses sont plus simples. Merci, voilà un très bon mot de fin et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous, portez-vous bien et restez pour le bonus, c'est juste maintenant. Et bien maintenant, c'est l'instant de la surprise qui vous était promise. La surprise, c'est le pavillon des rêves, le pavillon mogol du château de champ de bataille. Et voilà, bienvenue... Bienvenue en Inde, l'Inde exotique, l'Inde du XVIIIe siècle. Donc c'est ici le pavillon moghol qui est une fabrique. Vous avez vu de nombreuses fabriques dans le parc classique. Et bien ici, on est à 8 mètres en dessous du parc que l'on a vu tout à l'heure. Et ici, c'est donc le pavillon indien qui a été constitué d'éléments authentiques du XVIIe et XVIIIe siècle, ramenés donc par Jacques Garcia durant une dizaine d'années. Donc des éléments authentiques qui font un décor de rêve et propices évidemment au repos, à l'évasion. Alors cet espace n'est pas ouvert à la visite, mais néanmoins en exclusivité pour Sochâteau, on va vous permettre d'accéder à l'intérieur de ce pavillon des rêves. Donc tous ces éléments proviennent d'Inde, en grande partie du Rajasthan, de temples, beaucoup. Et je précise qu'évidemment, tout cela a été acheté par M. Garcia. Rien n'a été pillé, c'est bien une acquisition au fur et à mesure, au fil des années. Et donc, bienvenue dans le pavillon des mille et une nuits, je crois que le décor parle de lui-même. Là encore, vous êtes entouré de décors authentiques, 17e, 18e siècle, de l'époque moghole, cette époque qui a commencé à être à l'honneur fin 18e siècle et puis après durant tout le 19e. Mais ce goût pour l'exotisme, il est là, il est présent sous vos yeux. Et donc maintenant, je vais vous amener dans un endroit extraordinaire, là encore propice à la détente, qu'évidemment le public ne peut pas voir. Attention, l'espace est assez réduit.
Encore quelques marches. Et vous voici dans la piscine intérieure du pavillon moghol. D'ailleurs, le mot piscine n'est sans doute pas le mot le plus adapté. On pourrait parler davantage de bassin. L'idée étant que ce bassin intérieur fait écho au bassin extérieur et aux cours telles qu'elles étaient organisées, enfin telles qu'on les voyait dans les palais des Maharajas. Donc je crois que tout le monde comprend pourquoi Jacques Garcia a baptisé ce pavillon moghol le pavillon des rêves. Le rêve, il est là, il est évident. Voilà pour ce voyage au pays des rêves. J'espère que le public aura apprécié et surtout, a priori, vous devriez pouvoir accéder à ce lieu l'année prochaine, en 2022. On espère ouvrir au public ce jardin des rêves et ce palais moghol.